On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. Dans quelques instants, on trace les détails du rapport annuel du Conseil économique du Haut-Richelieu pour l'an 2014, une année financière quand même relativement en santé, de consolidation avec même un peu de création d'emplois, 80 millions d'investissements. Bref, on fait le tour de la question dans quelques instants avec Sylvie Lacroix. Mais d'abord, parlons de protection des boisés, du résultat du sondage où finalement une majorité de citoyens sont prêts à payer plus de taxes pour préserver les boisés. Parlons de la protection des boisés, parlons également du plan de conservation de la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu et parlons principalement du sondage qui a été réalisé au cours des dernières semaines auprès de 1100 répondants. Visiblement, les gens semblent relativement satisfaits de la démarche et d'accord également avec le principe de protéger les 90 % des boisés en zone blanche. Il y a un coût de rattaché à ça. On va tenter un peu, évidemment, de vulgariser le sujet. Avec nous, pour en parler, le directeur du service de l'urbanisme à la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, Luc Castonguay. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Donc, parlez-nous d'abord un peu de la démarche, parce que le plan de conservation, même, on en parlait sous l'ancien conseil, il a été modifié, agrandi. On a vu que la dernière campagne électorale, c'était un enjeu de la campagne électorale. Le nouveau conseil a décidé cette fois d'aller dans une vaste consultation. Parlez-nous un peu des étapes qui ont, disons, précédé le sondage, là. Donc, c'est ça. En fait, en 2009, le conseil municipal, l'ancien conseil municipal avait adopté un plan de conservation des milieux naturels. Ce plan de conservation-là visait la protection d'un peu moins de 70 % des boisés situés en zone blanche. Donc, en principe, ce que ça voulait dire, c'est qu'il y avait plus de 30 % des autres boisés qui étaient susceptibles d'être développés. Dans l'historique, chaque fois qu'on arrivait avec un développement dans un secteur boisé, il y avait un soulèvement de questionnement, des gens qui interpellaient le conseil pour dire on devrait le protéger. Donc, le conseil a fait ni une ni deux. On a adopté l'année dernière un moratoire statuant qu'on bloquait pour l'instant tout développement dans les secteurs boisés en zone blanche, pour se donner le temps de consulter les gens, puis de voir un peu toutes sortes de spéculations. Il y en a qui disaient que les gens étaient prêts à conserver davantage, que c'était l'opinion généralisée. Il y en a qui disaient que c'était certains groupes qui se présentaient au conseil municipal qui mettaient de la pression, soit les voisins immédiats ou des groupes d'intérêt qui se mobilisaient pour bloquer des projets dans des secteurs boisés. Donc, une fois cet exercice-là fait, à ce moment-là, on a débuté le processus de consultation en novembre dernier. C'était en novembre 2014, pour le conclure en avril 2015. Série de consultations qui s'est fait, consulter les groupes d'intérêt, consulter les voisins, les gens, ce qu'ils veulent dans différents quartiers, connaître leur opinion. Mais le plan de conservation a été revu et amélioré, parce que si au départ on parlait de 70 % de protection, le nouveau plan qui a été soumis par le conseil il y a quelques semaines parlait de 90 % des boisés en zone blanche. C'est grosso modo ce qui a été soumis aux récentes assemblées de consultation et aux sondages de la firme Segmont. Bien, tout à fait. C'est suite aux premières étapes de consultation publique qu'à ce moment-là, le conseil est arrivé avec cette proposition-là. Puis cette proposition-là, comme vous le mentionnez, visait la conservation, la protection de 90 % des boisés en zone blanche. Puis on voulait absolument aussi consulter les gens sur une proposition. Demander aux gens s'ils veulent la protection des boisés. On connaissait déjà la réponse. Quand on parle d'une proposition un peu plus précise, on est capable de la chiffrer, toujours faire des estimés de coûts, puis être capable de déterminer, bon, en fonction de cette proposition-là, du coût qui est associé, êtes-vous prête ou êtes-vous intéressé par une telle proposition? Bon, là, on rentre évidemment dans le vif du sujet, parce que, bon, la firme Segmont a réalisé un sondage dans la période du 30 mars au 15 avril auprès de 1100 répondants. 71 % donc des répondants ont dit oui à la proposition de la Ville, mais la proposition de la Ville également d'augmenter à 90 % la sauvegarde des boisés. Il y a un coût. Il y a un coût de rattacher à ça. Quand on regarde une maison unifamiliale évaluée à 250 000 $ on parle d'une taxe additionnelle de 68 $ par année pour les 40 prochaines années. Donc, il y a 71 % des gens qui vous ont dit oui, on est prêt à payer plus cher de taxes pour les 40 prochaines années pour préserver les boisés. C'est ça que ça dit. Exactement. Nous, évidemment, tu fais toujours des scénarios en disant, bon, les gens devraient être favorables ou non à une proposition comme celle-là. On était, pour ma part, agréablement surpris de la réponse des gens, surtout quand on leur disait, êtes-vous prêt à payer pour une taxe
Les gens disent oui, mais un peu du bout des lèvres. Quand on dit « Êtes-vous prêt à payer pour une taxe qui va servir à protéger des boisés additionnels sur le territoire? » Bien, d'emblée, à 71%, les gens nous disent oui. Bon. Donc, pourquoi ça coûte de l'argent pour protéger les boisés restants? Autrement dit, qu'est-ce que la Ville doit faire pour les protéger, ces boisés? Il y a des nuances par rapport à ça. Ce qui est important de comprendre, c'est qu'on nous, avant d'arriver avec cette proposition-là, on a regardé les différents scénarios et les options pour être capable de venir dire est-ce qu'on est capable de protéger tel ou tel boisé sans avoir à payer? Donc, est-ce que de manière, via un règlement quelconque, on est capable de protéger un boisé sans avoir à dépenser des sous des contribuables? Puis dans d'autres cas, est-ce que oui, on est capable de protéger un boisé? Est-ce qu'on est capable de réglementer pour les protéger? La réponse dans certains cas, c'était non. Par exemple, le boisé Fortier, qui est un boisé qui comprend là, une centaine de propriétaires différents. Bien, ces propriétaires-là, malheureusement, ont tous des petits lots. Puis on ne pouvait pas faire autrement que de se porter acquéreur de ces terrains-là pour protéger le boisé. Puis de venir dire, par exemple, dans un secteur comme celui-là, on aurait zoné ça conservation. Ouais. Bien, à ce moment-là, on s'expose à des poursuites contre la ville. Donc, on voulait se protéger là-dessus. Puis les coûts d'acquisition, quand on parle de coûts d'acquisition moyens, c'est à peu près 10,4 millions pour compléter le plan de conservation. Pour le compléter, mais ouais. Il y avait déjà combien de prévus? Il y avait déjà un 30 millions qui avait été prévu, qui avait été adopté par règlement d'emprunt. Ce qu'on dit à ce jour, c'est qu'il va nous manquer 5 millions avec la première version du plan de conservation pour le compléter. Ouais. Donc, la phase 1 du plan de conservation, on parle d'environ 35 millions de dépenses. La phase 2, on parle d'un 10,4 millions additionnel. Donc, il vous reste un 15 millions à financer. Tout à fait, pour en arriver à mettre en œuvre complètement le plan de conservation. Et le 15 millions sur 40 ans, c'est l'équivalent de 68 $ pour une maison de 250 000 par année. Tout à fait. C'est sûr qu'il faut comprendre qu'une résidence d'un million, évidemment, c'est plus que 68. C'est sûr. Tout est proportionnel en fonction de la valeur. Mais pour une résidence moyenne, qui est à peu près… La résidence moyenne à Saint-Jean, c'est 255 000, plus précisément. Ouais. Donc, c'est à peu près 70 $ par année. Sur une période d'à peu près 40 ans que les gens auraient à payer pour se payer ou investir pour protéger les boisés dans le futur. Dans le fond, les boisés qui n'étaient pas inclus dans le premier plan de conservation, qui le seront dans le deuxième si le Conseil, bien sûr, adopte cette proposition… Qu'est-ce qu'on a ajouté en termes de boisés en zone blanche qui n'étaient pas déjà protégés? Il y en a plusieurs. On a identifié des secteurs boisés là, répartis sur l'ensemble du territoire. Les deux gros morceaux qui coûtent des sous, dans le fond, sont deux boisés dans le secteur Saint-Luc, ce qu'on appelle le secteur des artisans. Ouais. Donc, on s'en était déjà parlé antérieurement, c'est un des boisés pour lequel le débat a été lancé sur la protection des boisés. Et également, l'autre boisé, c'est le boisé Fortier. Celui-là, on tient à en être propriétaire parce qu'on veut créer à cet endroit-là, le Conseil va annoncer la création d'un parc nature à cet endroit-là qui deviendrait un lieu accessible pour la population. Le boisé Fortier, pour le situer, c'est grosso modo entre… Près du secteur des Colibris et Saint-Gérard. Oui. C'est ça qu'on appelle… Entre l'avenue du Parc et la rue Saint-Gérard et le secteur de la rue des Colibris. Bon. Dans une proportion de… En fait, si… Il n'y avait pas de coût. Donc, s'il n'y avait pas, évidemment, si on ne demandait pas d'argent aux citoyens, le sondage nous dit que 93% de la population serait d'accord avec le plan. Donc, ça, c'est un peu la question sur la vertu. Donc, sur la vertu. Êtes-vous favorable à protéger 90% des boisés? 93% des gens nous ont dit oui. Quand on tombe un peu plus dans le concret, à ce moment-là, les pourcentages réduisent. Certains groupes d'intérêt ont remis en question la validité des questions et tout ça. Dans le fond, de quelle façon le questionnaire a-t-il été bâti avec la firme Segment et de quelle façon la firme elle-même a-t-elle procédé à son sondage d'opinion publique? D'abord, évidemment, nous, on ne voulait pas faire non plus avec n'importe quelle firme. On a fait, en étant en appel d'offres, faire avec des firmes spécialisées dans le domaine. Le groupe de recherche Segment, c'est une firme très reconnue dans le domaine au niveau des sondages. Donc, déjà là, on était rassurés par leur expertise, excusez-moi, et leurs compétences. Ensuite de ça, on s'est vraiment assis avec eux. Puis eux nous ont proposé un questionnaire en fonction des enjeux qu'on avait, en fonction de la proposition de la ville. On leur a donné la proposition de la ville. Puis c'est eux qui ont été de manière, si on veut, que la technique de l'entonnoir. Donc, la question la plus générale en premier, il ferait mieux 93% pour se raffiner avec des coûts associés à la proposition. C'est à ce moment-là qu'on a obtenu, on voit la graduation là, avec la technique de l'entonnoir au niveau du raffinement, puis d'être plus pointu dans les questions.
avec un résultat final de 71% de gens favorables. Est-ce que vous êtes surpris de la réaction de dire qu'il y a 71% des gens qui sont prêts à payer plus pour préserver les boisés? Honnêtement, oui. Je dois vous avouer qu'on s'attendait... Les résultats traditionnels au Québec sont du 50-50 sur différentes questions. Ouais. On aurait pu s'attendre, on s'attendait honnêtement à quelque chose qui tournerait peut-être plus autour de ça. D'avoir un résultat aussi clair, je vous dirais que ça aide aussi le conseil municipal à prendre une position et à prendre sa décision pour dire que les gens sont prêts à payer davantage pour protéger les boisés. Le 10 % qui ne serait pas protégé dans le plan de conservation, on parle de quel type de boisés et à quel endroit dans la ville? Les principaux secteurs qui sont visés là-dessus, il y a deux secteurs qui sont voués pour du développement dans le secteur du Golfe des Légendes, rue de la Bergère, dans ce secteur-là. Il y a deux boisés qui sont situés dans ce secteur-là qui devraient être en partie protégés et en partie développés. Okay. Nous, on va essayer de travailler avec les éventuels développeurs de ces terrains-là pour en protéger le maximum possible. On ne veut pas empêcher totalement le développement de ces secteurs-là. Et il y en a le secteur Saint-Eugène, deux portions boisées, des boisées qui ne sont pas d'une grande valeur, qui, pour la ville, ont fait le choix de dire ces boisées-là, on ne veut pas s'en porter acquéreur, permettons le développement, puis concentrons-nous dans la portion des boisées qui sont davantage d'intérêt. Bon, quelle est la suite des choses maintenant? Au moment d'enregistrer cette entrevue, nous sommes mardi, le 19 mai, en après-midi. Donc, ce soir, il y a tenue d'un conseil municipal sur lequel les élus devraient se prononcer. Tout à fait. Sur une partie de... En fait, on verra ce qui sera déposé, mais je sais que, bon, il y avait probablement des groupes d'intérêt qui vont se présenter au conseil. Donc, c'est quoi la suite des choses à partir de maintenant? Évidemment, nous, il y a déjà eu des discussions avec le conseil. On leur a présenté le résultat de la consultation publique. Le conseil va se positionner à la fois sur les limites exactes des différents boisés protégés sur notre territoire. Va également se prononcer sur la création d'un parc nature régional dans le secteur Saint-Luc. Va également se prononcer sur la possibilité de prévoir un programme de reboisement sur notre territoire. Mm-hmm. On veut, actuellement, on est à peu près à 8,5 % de boisés sur l'ensemble de notre territoire. On a proposé au conseil d'augmenter ça à 10 % puis le conseil municipal a accepté cette proposition-là. Donc, le conseil devrait annoncer ça également ce soir. Puis évidemment, bien, déterminer exactement le détail du prochain plan de conservation qui va être en vigueur sur notre territoire. Donc. Luc Castonguay, merci beaucoup et bonne chance pour cet enjeu pour la protection des boisés. Probablement qu'on va se reparler dans les semaines, mois et années à venir, mais là, ce serait pour les golfs. Parce que ça risque d'être la prochaine étape là, dans l'enjeu populaire. Fort probable. Fort probable. Merci bien. Merci, au revoir. Restez avec nous, puisqu'au retour, on vous parle du rapport annuel du Conseil économique du Richelieu pour l'année fiscale 2014. Dans le confort de votre foyer. Télé-bingo, TVHR, tous les dimanches matins, 9h30, avec votre meneur de jeu, Alain Rameau. C'est un rendez-vous. Coulisses bêta, version 3.0, jeudi, 19h. Parlons de chiffres, parlons d'économie, ici même dans la région du Haut-Richelieu. Est-ce que l'économie est en santé? Est-ce qu'il y a un ralentissement? Est-ce qu'il y a des progressions? Est-ce qu'on a consolidé nos actions? Est-ce qu'on a optimisé un peu? Bref, on va faire le tour de la question pour le survol de l'année 2014 avec Sylvie Lacroix, directrice générale du Conseil économique du Haut-Richelieu CLD. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Est-ce qu'on appelle ça encore le CLD?
En fait, non. C'est changé depuis le 20 avril. La loi 28 a été passée. Donc, on s'appelle maintenant le Conseil économique du Haut-Richelieu, puis de CLD. Tout court. Tout court. Donc, on peut biffer le mot CLD. On peut biffer le mot CLD. Bon, ça, évidemment, c'est une volonté gouvernementale. On pourrait y revenir un peu tantôt, mais évidemment, est-ce que ça va changer votre modus operandi? En fait, ce que ça fait, c'est qu'on va vraiment se concentrer sur les interventions à faire sur notre territoire. Je vous dirais qu'avant, les argents étaient dispersés un petit peu partout dans différents organismes. Donc, on se devait d'être régulièrement à l'extérieur. Maintenant, avec la loi 28, c'est vraiment centrer le développement économique au niveau de la MRC, des élus municipaux. Donc, on va vraiment plus, nous, intervenir. Là, on n'aura plus à s'éparpiller. Là, on va vraiment intervenir sur le territoire encore davantage. Bon. Parlons de 2014 au grand complet, donc de janvier à décembre. À chaque année, il y a toujours le dépôt du rapport annuel. Est-ce qu'on peut dire que l'économie locale et régionale est en santé? Je dirais que l'économie va relativement bien, puis je pourrais vous donner quelques indicateurs tout à l'heure, mais oui, on a eu une bonne année avec des investissements de près de 80 millions et une augmentation de 75 emplois industriels, ce qui est assez exceptionnel. Et ce n'est pas seulement la première année qu'on a des augmentations. Généralement, au Québec, on voit plutôt une diminution des emplois industriels. Alors, pour nous, c'est une excellente nouvelle d'avoir cette augmentation-là. À quoi sont-ils attribuables, ces 75 emplois industriels de plus? Je vous dirais qu'il y en a une partie, peut-être 25 à 30, qui viennent de la compagnie Excel, qui avait fait des gros investissements l'année précédente à la hauteur de près de presque 30 millions. Donc, c'est normal, les entreprises investissent dans l'équipement, le bâtiment, et l'année suivante vont procéder à l'embauche. Mais ça n'explique pas tout, puisqu'il y a peut-être juste une trentaine des 75 emplois. Donc, il y a vraiment une croissance un peu partout sur le territoire au niveau des emplois. Bon. Donc, croissance au niveau industriel, mais également dans les autres secteurs. On dit bilan positif pour l'emploi avec 7767 emplois. Donc, quand on dit bilan positif, c'est donc qu'on a donc créé légèrement, en fait, on a créé un peu d'emplois par rapport à 2013, c'est oui, ça? Effectivement. En 2013, on avait 7692 emplois. Donc, c'est une augmentation nette là, de 75. C'est sûr qu'il peut y avoir des baisses dans certaines entreprises. Et sur 5 ans, ça donne quoi? Sur 5 ans, je vous dirais qu'on a eu des augmentations régulières. Je vous dirais que depuis 2010, 2011, 2012, 2013, il y a eu une croissance constante au niveau de l'emploi industriel. On est tombé à 6000 quelques en 2010. Est-ce à dire qu'il y a plus d'industries ou c'est que nos industries ont des besoins de main-d'œuvre peut-être un peu plus grands parce qu'il y a de l'expansion, parce que la région grossit aussi? J'aurais tendance à dire que c'est un peu des deux. Cette année, on va avoir plus d'informations. La compilation qu'on a faite, là, qui a commencé du mois de janvier, qu'on fait annuellement d'ailleurs pour pouvoir sortir notre rapport annuel, était plus exhaustive. Donc, on a fait plus d'entrevues avec nos entreprises. On va avoir plus de détails sur exactement qu'est-ce qui a fait que ces emplois-là ont été générés, quels sont les différents enjeux que nos entreprises, auxquels nos entreprises doivent faire face. Alors, on devrait avoir plus de détails. Est-ce qu'on parle de pénurie de main-d'œuvre? Est-ce qu'on parle de croissance endogène, ouais, donc sur le territoire? Je vous dirais qu'il y a un peu de tout ça. Là, il y a de la croissance de nos entreprises sur le territoire. Et c'est sûr que l'avenue d'entreprise sur le territoire aide beaucoup aussi. Là. Quand on parle d'entrepreneuriat, on dit que les nouvelles sont intéressantes également avec 2,6 millions d'investissements. On parle de 44 emplois créés et ou maintenus? Oui, dans certains cas, c'est de la relève. Alors, quand on soutient les entrepreneurs dans des dossiers de relève, les emplois sont déjà créés. Donc, on maintient ces emplois-là qui, normalement, si l'entrepreneur n'a pas de relève, bien, l'entreprise pourrait potentiellement fermer ou être rachetée et délocaliser. Alors, c'est des dossiers qui sont importants. Donc, c'est pour ça qu'on parle d'emplois créés et ou maintenus. Quelle est la durée de vie des entreprises qui démarrent dans une échelle de 0 à 5 ans? Est-ce que la majorité survivent à leurs premiers 5 ans ou s'il y a toujours un pourcentage? Je vous dirais que la moyenne au Québec est à peu près de 35 % pour les entreprises qui ne sont pas accompagnées. C'est beau démarrer, mais les 5 premières années sont vraiment critiques au niveau des entreprises, des petites entreprises, des micro-entreprises. Et généralement, ils vont avoir une crise de croissance après 2 ans et une autre crise après ça aux alentours de 5 ans. Donc, les 5 premières années sont vraiment importantes pour assurer la survie des entreprises. Une entreprise qui est accompagnée va avoir un taux de survie plus élevé. Si on regarde notre moyenne des 5 dernières années, je vous dirais que le taux, en fait, est exactement de 78,9 %. Ça, c'est le taux de survie après 5 ans? Oui, des entreprises qu'on a accompagnées.
Alors, que vous avez accompagné. Qu'on a accompagné. Ouais. C'est sûr qu'il y a plusieurs entreprises sur le territoire. Je pense qu'on en décompte plus de 3 000. Mais les entreprises que nous avons accompagnées ont atteint un taux de survie après 5 ans de près de 80. Bon, vous parlez également de 26 entreprises démarrées en 2014. On parle d'entreprises de tout acabit? Beaucoup d'entreprises. Je vous dirais que ça a changé un petit peu le démarrage d'entreprise depuis quelques années. Au départ, quand je suis arrivée, il y a déjà 10 ans, on parlait plus d'entreprises de démarrage de survie. Donc, les gens perdaient leur emploi et décidaient de démarrer leur entreprise. Aujourd'hui, ce n'est plus tout à fait ça. C'est vraiment plus une question d'opportunité. Et est-ce que je peux me trouver un meilleur emploi que démarrer mon entreprise? Il y a toujours une notion de risque. Donc, là, ça a un petit peu changé. Les entrepreneurs qu'on démarre sont plus dans des entreprises de services, dans des entreprises de commerce, un petit peu moins de manufacturiers puis d'industriels. Mais ce n'est plus le même type d'entrepreneuriat qu'on avait il y a quelques années. Bon, parlons d'économie sociale, parce que pour l'année 2014, sous l'égide du CLD, donc vous aviez toujours à votre charge l'économie sociale. Oui. Donc, comment s'est-elle portée en 2014? L'économie sociale est bien, a très bien été. Je vous dirais qu'on a, on a déboursé en fait au niveau de l'économie sociale 32 440. Ça a permis de générer des retombées de 1,8 million puis de créer et maintenir à peu près 140 emplois. L'économie sociale, c'est des dossiers qui sont longs. Ça prend beaucoup de concertation, de mobilisation. Cette année, ça a été une bonne année par rapport au montant. Ce qui est intéressant, c'est que, je vous expliquais tout à l'heure qu'on devait aller chercher de l'argent de l'extérieur. Ouais. De par notre présence à l'extérieur sur d'autres instances, on est allé chercher au-dessus de 500 000 $ qui ont été injectés directement dans la région dans différents projets, entre autres la lutte à la pauvreté, le soutien aux aînés et la réussite éducative. Quand on parle d'économie sociale, c'est quoi? C'est un organisme à but non lucratif, mais qui fait travailler 5, 10, 15, 20 personnes? Ça varie beaucoup. Ça peut être autant petit, grand. Dans le fond, l'économie sociale, c'est un hybride entre un organisme subventionné, un organisme communautaire et une entreprise. Donc, ils doivent avoir des revenus autonomes après 3 ans, doivent s'auto-générer, doivent avoir un volet social, doivent avoir un CA, une démocratie à l'intérieur de l'organisme. On a de très belles entreprises qui sont des entreprises d'économie sociale. Ça peut être un musée, ça peut être la Corporation du Fort-Saint-Jean, ça peut être Atelier industriel aussi. Alors, c'est toutes des entreprises qui ont un volet social. Des coopératives font partie aussi de ce type d'entreprise-là. Là, avec l'abandon de l'appellation CLD pour 2015, 16 et 17, l'économie sociale maintenant va relever quoi? D'une autre structure qui reste à déterminer? Il n'y a rien de statué encore. Je vous dirais qu'on est… c'est le pacte fiscal transitoire, ouais. La loi 28 qui a été déposée le 28. Les attentes spécifiques en vertu de cette nouvelle loi-là ne sont pas spécifiées encore. On attend de voir qu'est-ce que le gouvernement s'attend de nous. Ce qu'on en semble voir, c'est qu'on va devoir maintenir pour la région un soutien aux entreprises d'économie sociale. Sous quelle forme ça va se faire, ça, ce n'est pas déterminé encore. Donc, pour l'économie sociale. Pour ce qui est du développement touristique, parce que maintenant, il est sous votre égide, oui. C'est quand même assez récent aussi, parce que, oui. Bon, l'Office du tourisme maintenant a été, disons, fusionné par le Conseil, mais en fait, c'est que vous avez comme une table… C'est pas finalisé encore. C'est pas finalisé encore. Non, c'est en fait, on attendait la loi 28. Il y a certains aspects de la loi passés qui ne nous permettaient pas d'intégrer intégralement l'Office du tourisme. En fait, on ne pouvait pas faire de promotion touristique. On pouvait faire du développement touristique, mais pas de la promotion touristique. Alors, la loi 28 étant passée, on peut maintenant procéder là, puis aller de l'avant avec l'intégration. Il y a certains éléments à rattacher, mais je vous dirais qu'il y a déjà une bonne synergie qui est faite entre l'Office du tourisme et les employés, l'équipe du Conseil économique. Bon. Vous parlez également dans votre rapport 2014 de l'installation d'un circuit de bornes électriques et touristiques sur le territoire. Il y en a combien et ça s'est fait de quelle façon, ça? On était à 17 la semaine passée. On est rendu à 18 bornes publiques. Ça s'est fait, ça a été magique. Je n'avais parlé au Gala d'Excellence l'année passée que j'avais un rêve de voir une autoroute 35 numérique, électrique et d'avoir un circuit ludique sur le territoire de la MRC du Haut-Richelieu. Il y a une présentation qui s'est faite le 1er avril. Les maires super visionnaires ont décidé d'aller de l'avant et d'installer des bornes dans les municipalités. On a signé le 22 juillet, on a passé la commande le 11 août et on a activé le réseau des bornes le 18 octobre. Alors, je n'ai jamais vu un projet qui se fasse aussi rapidement. Maintenant, les infrastructures sont là, il y a déjà eu de l'achalandage, mais ce qu'on doit faire maintenant, c'est le mettre en valeur.
Au cours de 2014, il y a eu évidemment l'autoroute 35, le nouveau tronçon là, qui a été inauguré et fonctionnel. Il y en manque encore un petit bout entre Saint-Sébastien et la frontière américaine. Est-ce que vous sentez déjà que ça a un effet sur l'économie? Est-ce qu'on vous en parle? Est-ce qu'il y a des industriels pour qui ça pèse dans la balance que d'avoir une autoroute 35 qui est maintenant un peu plus longue? C'est clair que l'autoroute 35 est un attrait. C'est une ligne directe pour aller aux États-Unis. Ça nous mène sur la 89, Burlington, Boston, etc. C'est sûr que c'est un attrait pour n'importe quelle entreprise qui va venir s'installer sur le territoire qui vise l'exportation. Alors, pour nous, c'est primordial qu'il soit terminé le plus rapidement possible. Il manque un petit bout. Ce petit bout-là n'est pas dans notre... Il y en a une petite partie dans notre territoire, mais il y en a une grande partie dans Brome-Missisquoi. Alors, c'est sûr que pour nous, c'est une priorité, là, définitivement. Et là, évidemment, on n'a pas le rapport de 2015 parce que l'année n'est pas finie, mais de janvier à aujourd'hui, à quoi ressemblent les quatre premiers mois de l'année? Est-ce que vous avez le sentiment qu'on est sur la même lancée que 2014? À quoi ressemblait l'hiver qui vient de se terminer? Je vous dirais que ça semble être assez similaire comme année. On sent des investissements. On a, bien, vous le savez, le projet de Munerie Milanaise là, qui est en train de se construire à Iberville, qui est un projet quand même substantiel aussi de pas loin de 13, 14, 15 millions, qui va générer pas mal d'emplois. Ça va être une très, très belle usine qui va être implantée sur notre territoire. On a des entreprises aussi qui envisagent des investissements. C'est encore un peu tôt. Ouais. La construction, généralement, commence un petit peu plus tard. Mais on voit qu'il y a des opportunités qui sont présentes pour nos entreprises et on va essayer de les maximiser là, à ce niveau-là. Sylvie Lacroix, merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Restez avec nous. Au retour, on vous présente le Bavière quotidien. Je sais, on est au printemps, bientôt l'été, mais je vous parle déjà de l'hiver 2015-2016. Pourquoi? Parce que dans les prochaines semaines, on va installer ici même, dans la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, des panneaux clignotants. Il y en aura 10 pour le stationnement de nuit. Un peu comme dans des villes comme Montréal ou Québec, là, il y a comme une lumière qui clignote. Vous allez continuer de recevoir vos alertes, mais il y a 10 endroits dans la ville où on va mettre ces fameux panneaux clignotants. À chaque semaine, on vous présente des extraits du Conseil de ville. L'émission s'appelle Saint-Jean-sur-Richelieu. Vous avez l'horaire à l'écran. Ne manquez pas également le Télébingo, tous les dimanches matins, 9h30, en direct, avec 3 500 $ en prix. Carte pleine qui est à 2 000. Il y a à peu près 30 dépositaires dans la région pour acheter vos livrets. tvacharneuf.com, 358-1912 pour la liste. Et entre-temps, si vous désirez me joindre, par courriel, plus rapide et plus facile, Éric Latour en un mot, à commercial, tvacharneuf.com. À demain. Bye-bye.